Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une astuce qui va te permettre d'avoir une bonne odeur corporelle. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo ici concernant les odeurs corporelles et vous avez été nombreuses à liker, à aimer, à partager, à commenter. Donc j'ai fait une autre recherche et j'ai découvert un autre produit qui peut vous aider à avoir une très très bonne odeur. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que vous soyez un enfant, franchement, c'est pour tout le monde. Vous savez, il y a des gens que même s'ils font n'importe quoi, ils vont toujours dégager des mauvaises odeurs. Vous voyez? Et imaginez un peu ce genre de personnes en saison sèche. Franchement, on ne va pas respirer. Parfois, tu prends le taxi, tu n'arrives même pas à bouger parce que il y a quelqu'un là qui dégage. Tu es juste en train de supporter que, pardon, il faut que le chauffeur s'y arrive vite, tu descends. Alors, aujourd'hui, je vais te partager une astuce très simple que tu peux réaliser avec 100 francs, 50, 500, ça dépend de vos pays respectifs. Mais sinon, ici au Cameroun, avec 100 francs, j'ai ce produit. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Morel de chez Fafine ou Cosmétique. Et au quotidien, je partage avec toi des astuces simples comme ça qui vont t'aider à être une meilleure version de toi. Tu vois un peu de quoi je parle. Donc, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur mes prochaines vidéos. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlerons donc de cette astuce, de ce produit, je dirais, que peut-être vous savez, mais vous n'avez pas encore essayé parce que moi j'ai essayé et vraiment je suis satisfaite. Là, dans cette toute petite bouteille là que vous voyez là, c'est ce fameux liquide qui vous aide à avoir une odeur corporelle de ouf. C'est-à-dire, ça fait, tu sens bon. Tu n'as pas, en fait, tu n'as pas d'odeur. Maintenant, si tu mets un parfum, tu auras l'odeur de ton parfum. Donc, la sueur et tout, franchement, ça va t'épargner de ça. On ne dit pas que c'est pas bien de transpirer, c'est bien de transpirer, mais quand tu transpires et que ça sent, ce n'est plus bon. Donc déjà, la première des choses que tu vas faire, si tu transpires et que ça dégage, tu vas boire beaucoup d'eau. L'eau va t'aider à rejeter tous ces déchets-là à travers la sueur. Donc, tu verras que si tu bois beaucoup d'eau, tu vas transpirer moins. Ou alors, si tu bois beaucoup d'eau, tu vas même beaucoup transpirer, mais ça ne va pas sentir. C'est très important, hein, franchement, c'est très important. Il faut beaucoup vous hydrater. Si vous voulez avoir un beau teint, il faut vous hydrater. Une bonne odeur corporelle, il faut vous hydrater. Si vous voulez même que votre Jessica sente bon, il faut vous hydrater. L'hydratation est très, très importante pour nous, les êtres humains. Donc, mes amis, voici le produit. Donc, c'est ça. Ça, c'est, Jeff, comment je vais appeler ça? Une lotion ou non? En fait, c'est la pierre blanche. D'autres le connaissent sur le nom de la pierre d'Alain. Voilà, c'est la pierre blanche. Donc, moi, j'ai déjà mis dans un peu d'eau, question d'avoir un liquide pour pouvoir appliquer facilement sur les aisselles. Donc, c'est très simple. Avant de prendre ton bain, lorsque tu as fini de te nettoyer avec ton citron, parce qu'il faut aussi le savoir, le citron est très bien contre les odeurs. Donc, si vous avez les odeurs, utilisez le citron régulièrement avant votre bain, laissez sécher 10 minutes et puis prenez votre bain. Vous verrez que lorsque vous allez faire de ça votre routine, vous n'aurez plus d'odeur. Donc, lorsque vous voulez prendre votre bain, vous prenez un coton, vous allez l'imbiber de ce liquide-ci et puis vous allez frotter vos aisselles avec. Frotter. Vous laissez sécher peut-être 5 minutes, vous vous lavez. Franchement, tu as le choix après ça. Entre, dès que tu as fini de te laver, tu l'appliques encore sur les aisselles avant d'appliquer ton parfum. Ou encore, tu peux laisser tout simplement comme ça, comme tu as déjà fait avant le bain, tu mets ton parfum tranquille. Même si tu marches Yaoundé Douala à pied, ton odeur ne va pas sentir, ta sueur ne va pas sentir. Vous voyez, ta sueur ne va pas sentir. Il y a des toutes petites astuces comme ça qui peuvent changer des vies, vraiment. Il y a des gens qui en souffrent, il y a des gens qui ont les amis qui ont les odeurs, mais ils ne peuvent pas leur dire que, gars, franchement, gars, fais l'effort. Fais l'effort. Donc, aujourd'hui, je partageais cette astuce. Tu as rappelé que dans cette eau, il y a juste la pierre d'Alain. Il n'y a pas deux choses. La pierre d'Alain, j'ai acheté pour 100 francs, raison pour laquelle j'ai fait juste un petit liquide pour que ça soit bien concentré. Voilà ça. Avec ça.
Franchement, les odeurs, que ce soit même les entre-pieds, les orteils, les entre-orteils là qui dégagent souvent, appliquez ça, vous verrez les résultats. Vous verrez les résultats. En fait, c'est comme la magie. Tu l'appliques aujourd'hui, le lendemain, c'est fini. Tu l'appliques aujourd'hui, dès que tu as fini de prendre ton bain, c'est fini. Donc, mes amis, essayez ça et venez me dire en commentaire. Je vous attends en commentaire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette astuce va changer des vies. Ça va vous aider à améliorer votre odeur corporelle. C'est très important. C'est très important. Ça fait partie des premiers signes de communication aussi. Je ne veux pas être devant quelqu'un parce qu'on dégage et tu es à l'aise. Non. Donc, j'espère vous voir en commentaire. Pour celles qui ont déjà eu, celles ou ceux qui ont déjà eu à utiliser, je vous attends en commentaire. Et n'hésitez pas de partager la vidéo pour que ça atteigne le maximum de personnes possible. Mettez-moi un pouce bleu, question de m'encourager à faire davantage de contenu. Alors, portez-vous bien d'ici là.